La MTRL, une mutuelle pour tous, vous présente votre programme « La santé, c'est la vie ». Pendant en fait, plus de 20-30 ans, il y a eu des querelles académiques de comprendre comment est le cerveau. Certains nous disaient, voilà, le cerveau c'est l'électricité, d'autres c'est la chimie, il y a des hormones dans un cerveau. Puis d'autres voulaient qu'on comprenne le cerveau en regardant les autres animaux. Eh bien, aujourd'hui, ces champs disciplinaires sont arrivés à un point de convergence où l'on comprend assez en théorie ce cerveau et l'on peut offrir maintenant des outils. Des outils dans le monde de l'éducation, on parle de neuroéducation, des outils dans le monde de l'économie, l'économie dite comportementale, c'est quoi le bien-être finalement? Est-ce que c'est un baromètre du PIB? Certainement pas, il y a aussi le bien-être des citoyens dans une société. Quand on découvre que par exemple, ce qui nourrit notre cerveau, c'est la rencontre avec l'autre. Nous vivons une véritable révolution, la médecine des 4 P. Et évidemment, pour le cerveau, c'est encore plus vrai que pour les autres disciplines. Le premier P, c'est évidemment participatif. C'est-à-dire qu'en essayant de m'informer, je participe moi-même à un corpus de connaissances. J'accepte que mes données partent dans des pools, des réservoirs communs, des banques de données où chacun va pouvoir ensuite tirer de l'information. Il y a le P de préventif, c'est-à-dire que plutôt que d'être thérapeutique, cherchons à anticiper les problèmes liés à un dysfonctionnement du cerveau. Il y a le côté prédictif, c'est-à-dire que si je fais une lecture de ce que je fais avec mon cerveau, dans mon comportement, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, eh bien on peut prédire mon futur. Et donc c'est dire que le patient devient son propre soignant, en changeant son comportement. Voilà, donc préventif, participatif, prédictif et enfin personnalisé. C'est-à-dire que chaque cerveau est unique et donc il est important que chacun se comprenne. Finalement, chercher à comprendre le cerveau, c'est répondre à l'injonction de Socrate. Je pense que plus on cherche le cerveau, plus on se rend compte que c'est un organe qui sert pour agir. Et donc, je dirais que le plus grand des conseils qu'on peut donner à autrui, c'est de refuser d'être un spectateur, mais plutôt d'être un acteur. Donc, je m'informe, je comprends et j'agis. Voilà la règle d'or que chacun de nous devrait suivre pour rester en bonne santé mentale. La MTRL, une mutuelle pour tous, vous a présenté votre programme « La santé, c'est la vie ».